Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé une astuce qui m'a paru important à vous signaler et à vous présenter. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas donc à me montrer ça dans la barre des likes, à vous abonner sur la chaîne Vision High Tech pour continuer à suivre les tutos, démos, astuces, iOS, Android, Mac, Windows, les unboxings. Et surtout, un joli petit cadeau que je vais vous faire dans cette vidéo. Je vais donc vous offrir un joli bracelet connecté que vous allez pouvoir connecter sur votre smartphone, aussi bien sous Android que sous iOS. Le voici tout de suite, c'est un super bracelet que j'avais déjà présenté sur ma chaîne. Donc, pour gagner ce bracelet, il vous faudra donc être abonné, bien sûr, à la chaîne, avoir liké cette vidéo, s'il vous plaît, c'est important, et surtout d'avoir mis un commentaire dans cette vidéo. Comme d'habitude, dans 15 jours, je choisirai un commentaire au hasard et je ferai gagner ce bracelet. Dernièrement, Toto a gagné sa montre connectée pour Noël. Alors peut-être que cette fois-ci, ça sera vous qui allez gagner votre bracelet pour le début de l'année sur la chaîne Vision High Tech. Alors voici donc ce bracelet qui est le Akaso. Donc c'est un bracelet qui fait montre et il est super beau. Vous allez pouvoir le connecter à votre smartphone iOS ou Android. Et ce bracelet est ultra sympathique. Il fait podomètre, il fait pas mal de petites choses super sympas. Allez voir sur ma chaîne, j'en avais fait le déballage et la démonstration et la présentation. N'hésitez pas, c'est vraiment super. Le voici en très gros sur votre écran. Donc c'est un super bracelet montre. Franchement, celui qui va gagner ce bracelet va vraiment pas être déçu. Il est super design. Il est IP68, donc vous allez pouvoir vous en servir même sous la pluie sans problème. Un très beau bracelet connecté sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que ce petit cadeau va vous plaire. Le résultat donc sera donc dans 15 jours. N'hésitez surtout pas donc à vous abonner et à commenter pour essayer de gagner ce bracelet. Puisque dans 15 jours, j'annoncerai comme d'habitude le nom du gagnant. Et je vous mettrai son commentaire lorsqu'il aura reçu son bracelet connecté. Voilà, donc si vous voulez gagner ce petit bracelet connecté sur la chaîne Vision High Tech, abonnez-vous, likez, partagez, commentez cette vidéo. Et peut-être que votre commentaire sera choisi dans les prochains jours, à dans 15 jours, pour connaître le nom du gagnant. Passons maintenant au tutoriel de cette vidéo. J'espère donc que vous allez apprécier cette vidéo et que vous allez aimer cette astuce. Puisque cette astuce va vous permettre, grâce à votre iPhone, on a déjà fait différentes présentations sous Android, et maintenant, on va présenter avec l'iPhone et l'application Google une astuce que vous allez pouvoir vous servir dans votre vie quotidienne. Mais pour l'instant, c'est place à l'intro, et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà donc les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo astuce tuto sur iOS 13 et cette fonctionnalité, je pense que vous allez l'aimer. Avant toute chose, il va falloir que vous demandez à votre Siri de télécharger l'application Google. Ça sera une obligation pour exécuter cette petite vidéo. C'est parti. Alors comme d'habitude les amis, Siri est votre meilleur ami sur votre iPhone, vous le savez tous. Et on va demander à notre Siri de télécharger Google. Télécharger Google. D'accord. Je recherche Google dans l'App Store. App Store, Google, champ de recherche. Une fois que la recherche a été exécutée, vous regardez si il vous a bien mis le bon résultat. Google, ouvrir, bouton. Alors moi je l'ai déjà téléchargé, il me demande de l'ouvrir. Vous, si vous ne l'avez pas, téléchargez-le, c'est important. On ouvre. Google. Votre page Google s'ouvre. Alors, c'est la page Google que vous pouvez trouver sur un PC, sur une tablette, etc. Là, ce qui va être important, ça va être de pitcher, d'aller tout en haut de votre page et tout en haut de votre page, en haut à droite. Écoutez bien ce qui se passe. Objectif, bouton. Effectuer des recherches avec Google, lance via votre appareil photo ou vos photos.
Objectif, ça c'est super important, c'était pas accessible, c'était pas compatible encore il n'y a pas très longtemps. Ils ont enfin mis à jour et rendu accessible ce bouton correctement. C'est vraiment excellent. On le valide. Qu'est-ce que ça va nous faire? Objectif. Découvrez Google Lens. Keyboard Arrow Down. Lorsque vous ouvrez Google Lens, ce service analyse continuellement ce que vous voyez afin d'afficher des résultats. Lorsque vous fermez l'application, Lens n'analyse plus ce que vous voyez. Confidentialité. Bouton. Et. Con. Utili. Retour. OK. Bouton. Donc, on va le valider sur le bouton OK. Avertissement. Google souhaite accéder à l'appareil photo. Vous pourrez ainsi utiliser Google Lens, prendre une photo de profil ou créer des contenus. Refuser. Bouton. OK. Bouton. Bien sûr, on va le valider OK. Ignorer. Bouton. Maintenant, Google Lens s'est enfin lancé sur notre iPhone. Tout en bas, on a différents boutons très intéressants. Le bouton au centre. Bouton de l'obturateur. Bouton. Bouton. Appuyez pour figer le cadre. Bouton de l'obturateur, ce qui va vous permettre de prendre une photo. On part à ça, gauche. Filtre texte. Bouton. Appuyez pour passer l'ensemble en mode texte. On va donc appuyer sur ce bouton pour lancer la numérisation, l'OCR de Google Lens sur notre iPhone sous iOS 13. Filtre traduction. Appuyez pour passer l'ensemble en mode traduction. On va pouvoir passer en mode traduction. Autres actions. Bouton. Outil de sélection des photos. On peut passer des photos en revue que l'on a déjà pris, c'est-à-dire on peut passer un texte que l'on a pris auparavant et le faire lire par Google Lens. Flash désactivé. Bouton. Activer le flash. Appuyez pour passer d'un mode flash à un autre. Tout ceci est en partant vers la gauche. Je suis revenu appuyez sur le. Pour figer le cadre. Je suis revenu sur le bouton de l'obturateur et là on part à droite. Filtre achat. Bouton. Filtre restaurant. Bouton. Filtre achat. Bouton. On a pour les achats. Filtre restaurant. Bouton. Et les restaurants. Ce qui veut dire que par exemple ici, donc là j'ai pris en photo le petit bracelet que je vais vous offrir sur la chaîne Vision High Tech. À voir aussi. Montre similaire. Montre. Steelwinx 1111, 24,33 euros. Donc comme vous pouvez entendre. Montre similaire. Montre. Steelwinx. Le bracelet coûte une trentaine d'euros d'ailleurs. Donc comme vous pouvez voir, le Google Lens a bien vu que c'était une montre. On va mettre un petit texte là-dessous. Le petit geste qui va bien. On va se mettre sur l'obturateur. Bouton de l'obturateur. Bouton. Un petit coup à gauche. Appuyez, filtre texte. Bouton. On valide. Appuyez pour passer l'ensemble mode texte. On valide le filtre texte. Bouton de l'obturateur. Et maintenant, on va prendre un texte pour voir si ceci sera bien lu. Donc, je prends mon texte en photo. Une fois que j'ai pris mon texte en photo, je vais aller dessous et je vais écouter. Texte trouvé dans l'image. Texte trouvé dans l'image. Je vais donc le sélectionner. Tout sélectionné. Tout sélectionné. Je le valide. Tout sélectionné. Copier le texte. Maintenant, j'ai un autre menu qui s'est ouvert grâce à la sélection de tout ce texte. Rechercher. On peut rechercher des mots. Traduire. On peut traduire ce texte en n'importe quelle langue. Avez-vous trouvé ces résultats utiles? Et si je retourne sur ma gauche. Traduire. Rechercher. Copier le texte. On peut copier le texte et juste à la gauche, si je pars à la gauche de copier le texte, écoutez ça. Écoutez-moi donc ce résultat. Musique l'inconscient, j'ai toujours eu, est en train de me quitter doucement. Je sais, je n'ai plus 50 ans, Christophe, rendez-vous est fixé à 22h. 15 minutes avant là, un texto nous informe que aurait un peu de même moment. Le voilà qui franchit porte de ce restaurant japonais où il est connu comme le loup blanc. Le chanteur commande en une poignée de secondes et le voilà débattante du moment. Roman Polanski en une de match. Son album de duo avec Arnaud, Catherine, Laetitia Casta ou Juliette Christophe est un vrai gentil. Un prince à qui recevoir chez lui pour faire, il propose la cuisine ou la salle de bain pour les ou la chambre. C'est vous qui, pendant que le photographe Christophe se met à table. Il n'est pas la nuit, ne fait que interview Benjamin Locoche que sur deux, hein, que pourtant souvent par regard. Voilà donc les amis, le Google Lens est enfin accessible sur notre iPhone sous iOS 13. Grâce à cette application Google, vous allez donc avoir accès à tous les textes dactylographiés et voire même manuscrits. Je vais continuer mes tests, mais pour l'instant, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le petit cadeau du bracelet montre vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et à commenter si vous voulez gagner ce bracelet. Dans 15 jours, le petit résultat. Pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donc aidé encore à lire vos lettres, à lire vos courriers et les documents qui peuvent se trouver sous votre iPhone.
voire faire de la traduction, voire même copier et créer vos propres textes. Et moi, je vous dis donc à très vite sur une prochaine vidéo sur Vision High Tech. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps et à bientôt pour la prochaine. Salut à tous !